Il a ressenti une douleur au quadriceps gauche, donc il ne pouvait pas continuer et on n'a pris aucun risque. De toute façon, on n'aurait pris aucun risque. On attendra cette semaine pour connaître le degré de gravité de sa blessure. Je suis inquiet par la blessure parce que Alex est un autre leader d'attaque et si on devait se passer de lui pour un temps assez long, ça sera déjà un gros handicap pour nous. Donc on a la défaite plus la blessure d'Alex, ça fait beaucoup. Juste avant la mi-temps, en fait, il a eu une petite douleur 10 minutes avant la mi-temps et puis juste avant la mi-temps, lorsqu'il a frappé au but, il a ressenti une douleur qui s'aggravait. Donc voilà, on l'a arrêté à temps, je pense, j'espère.